Bonjour à tous, je m'appelle André Guissot, je suis un ami Chris Takam et Annie ou Nadège Takam, comme vous voudriez l'appeler. Je les connais, ça fait des années avec Takam, ça commence dès l'école secondaire dans notre village de Bamendjou, à l'ouest du pays. Et j'ai connu Annie quand ils se sont mariés dans les années 2000. L'objectif de mon propos est simple. C'est essayer de répondre à certaines questions de mes anciens étudiants et de nos connaissances au Cameroun qui depuis me posent des questions sur Facebook. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui peux nous expliquer parce que tu es de l'autre côté avec lui. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de faire des recommandations à certaines personnes que je vois en ligne. Qui affiche un comportement déplorable, irrespectueux, et qui parle des choses qu'ils ne connaissent pas, mais parle en spécialiste. Et le troisième, ce serait implorer le respect de la mémoire de ces individus qu'on a perdus dans des situations extrêmement tragiques. Et qu'on ne peut pas expliquer. Donc, Takam était mon ami. Comme j'ai dit, on se connaît depuis l'école secondaire. Dans les années 80, on a étudié dans le même lycée, dans le même CES. On est revenu, je pense, 10 ans après, 94, 95, dans le même lycée comme enseignant. Moi comme enseignant d'allemand et d'anglais, lui comme enseignant de français et d'anglais. Je me suis installé aux États-Unis un peu avant lui. Il m'a retrouvé après. Monsieur Takam était un homme intelligent, un homme passionné, un homme qui aimait, un homme qui aimait rire. Un homme qui adorait sa famille, qui travaillait, qui avait des ambitions, qui voulait changer l'avenir de ses 3 enfants et leur laisser un futur prospère. Je peux dire la même chose d'Annie ou de Nadège. Annie était ambitieuse, travailleuse. Je vais vous donner quelques exemples seulement. Je ne me rappelle pas quand Annie avait moins de 2 boulots à la fois. En plus de ses responsabilités de maman, d'éducatrice à la maison, elle avait en plus le temps de suivre un cursus éducatif qui lui a fait devenir ce qu'on appelle aux États-Unis un registered nurse. Donc, je vais vous dire ceci à tous ceux qui sont en train d'écrire des futilités en ligne, que Nadège n'était pas une tontine. Elle était une travailleuse. Elle avait des ambitions. Et en fait, d'entre les deux, je pense que c'est elle qui a compris ce qu'il fallait faire pour vraiment vivre. Pour vraiment vivre le rêve américain. J'ai lu quelque part qu'elle était une tontine et puis que toutes ses études avaient été payées par mon ami Takam et qu'il avait acheté une maison et que c'est une autre personne qui en bénéficiait. La maison appartenait aux deux. Les deux contribuaient de la même façon pour le paiement de l'hypothèque. La dame, elle payait ses études elle-même. J'ai des preuves. Donc, qu'on laisse ces histoires farfelues, sans base, de côté et qu'on parle de ces individus.
Je voudrais vous implorer. Je voudrais vous implorer à ne pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Et si vous ne connaissez pas, c'est une base scientifique, logique, très simple. On ne sait pas, on se tait et on pose des questions. On se tait et on pose des questions. Donc, je vous implore une fois de plus à respecter la mémoire de ces deux individus qu'on a perdus dans des circonstances qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire maintenant. Je voudrais qu'on prenne cette opportunité pour discuter en tant que communauté africaine, en tant que jeune Africain vivant aux États-Unis, des difficultés d'intégration et d'adaptation que nous rencontrons aux États-Unis, qui nous traumatisent, qui nous frustrent, qui créent des problèmes mentaux, psychologiques, mais qu'on ne discute jamais parce qu'on est des fiers Africains. Il faudrait que ça cesse. Le problème de mon ami Takam, c'est qu'il n'a pas pu s'adapter au rôle et aux responsabilités que la société américaine assigne à un mari aux États-Unis. Et c'était une bataille quotidienne. Il en a souffert. Je l'ai aidé, j'ai essayé. Beaucoup de gens dans la ville de Cincinnati et ses amis un peu partout dans le monde diraient probablement la même chose. Nous avons essayé. Mais malheureusement, le divorce est arrivé. En 2018, il ne s'est jamais remis. Pendant toute la période des troubles, j'étais à Washington, D.C. Je l'ai invité à venir rester avec moi. Takam a refusé. On m'a affecté en République dominicaine, où j'ai fait 2 ans. À Saint-Domingue, j'ai invité Takam de venir passer 1 année chez moi. Prendre un peu de l'air, se détendre, réanalyser les choses. Takam n'a pas pu. J'ai parlé avec lui 4 jours avant cet événement. Il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'allait pas bien. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il en arrivait. Il devait arriver là. Ok? Donc si quelqu'un vous dit, si quelqu'un écrit des articles à partir de New York avec l'intention d'expliquer ce qui s'est passé, j'appelle cette personne un idiot. Vous savez pourquoi cette personne est un idiot? Parce que si vous avez des réponses au problème de suicide ou bien meurtre-suicide aux États-Unis, vous pouvez vendre vos idées à la faculté d'études psychologiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Harvard University, ou bien dans n'importe quelle université américaine qui étudie les problèmes mentaux, et vous allez devenir très riche. Donc si vous ne pouvez pas faire ça, je vous demande, au nom de ses amis, au nom des gens qui le connaissaient, au nom de ses 3 enfants qu'il a abandonnés, to shut the fuck up. Pour finir, je ne parle pas au nom de la famille, je parle à mon nom. Ce que j'ai vu en ligne m'a frustré. À un moment pareil, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, tout ce que nous pourrions faire, c'est de respecter la mémoire de ces individus. C'est de ne rien dire quand on ne sait pas de quoi on parle. Ou bien de poser des questions pour essayer de savoir. Je vous implore aussi d'utiliser cette opportunité pour commencer à discuter des problèmes fondamentaux que les hommes africains et les femmes africaines rencontrent aux États-Unis parce qu'ils se sentent déracinés. Des problèmes d'intégration, des problèmes d'adaptation,
dont la communauté africaine ne parle jamais. Si on le fait, peut-être dans un mois, dans deux mois, on ne va pas avoir un autre cas comme celui-ci. Et pour finir, sachez qu'il a laissé deux enfants. Oui, trois enfants. Ils ont laissé trois enfants. Nous ne parlons pas de ces trois maintenant. Tous ceux qui racontent ce qu'ils veulent raconter en ligne n'ont aucun mot, aucune solution pour ces trois pauvres Camerounais américains qu'on a laissés. Donc, s'il vous plaît, respectons leur mémoire. Ne prétendons pas connaître ce qu'on ne connaît pas. Et taisons-nous quand on ne sait pas ce qui se passe. Merci.